ici Mutsu, bienvenue sur Immersive TV, la suite de nos aventures sur RimWorld. Et dans l'épisode précédent, vous l'avez vu, épisode assez calme, s'il en est. L'hiver avance, on en est au 15e jour de l'hiver, jour depuis votre arrivée 48. Voilà, donc on est arrivé au début de l'hiver en fait, pratiquement. Oh, il a fait une fausse couche, ah ouais, dû à la famine. Ils ont rien à manger. Ça c'est embêtant. C'est très embêtant même. C'est très embêtant. Pourtant il y a de l'herbe, ils peuvent brouter l'herbe, non? Un cochon ça mange tout en même temps, non? Ouais, le cochon tu fais manger un peu tout ce que tu veux. Ça aurait été bien qu'il stocke de la nourriture ici, mais pour ça il aurait fallu en fait qu'ici ce soit full, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ok, alors, comment on va gérer cette situation? Je sais qu'on peut planter un genre de foin. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça. Zone. Zone agricole. Non, ici, ça marchera pas puisqu'on est dans le sable. Hop. Et c'est quoi? C'est de l'herbe à foin, je pense. Comestible par les animaux, mais pas pour les humains. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Herbe à foin. Printemps, automne. Non, ça poussera pas pour cette saison. Donc, Et ben donc, on va devoir attendre, je pense, malheureusement. Et j'ai pas trop de solutions là. Pas trop de solutions. Allez. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Début d'épisode, vous l'avez vu, les animaux sont en train de mourir de faim dans l'épisode précédent. C'était assez calme. On est toujours en plein dans l'hiver. Les choses se passent plutôt bien. Si on prend en compte le fait qu'on a eu beaucoup de soucis avec la malaria notamment. Ça nous a pas aidé. Ça nous a vraiment pas aidé. Mais bon, on a congelé des gens et la plupart s'en sont plus ou moins sortis. Donc ça va. Ce qui serait vraiment bien maintenant, c'est que l'hiver s'arrête. Hein, concrètement, ça serait vraiment cool. On a vu qu'en termes de recherche, on avançait bien. On est en train d'apprendre à créer le super calculateur pour pouvoir faire des recherches encore plus rapidement. Oh oui, le printemps qui commence. Et ça, c'est très très bon pour nous les amis. Ça veut dire qu'on va pouvoir de nouveau planter tout un tas de choses. Et ça, c'est très bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Je me demande si je devrais pas faire un champ plus grand de pommes de terre. Ouais. Zone agricole. Non, on va faire un deuxième champ de riz plutôt. Même pas, on va planter du maïs. Une nouvelle recrue? Ah ça y est, ils ont réussi à recruter le prisonnier je pense. Ouais. Nice. Parfait, bah Dany il a sa chambre ici qui est prête. Équipement, tac. La petite lampe torche. Et température, la petite ventilation. Hein, pour éviter que Dany meure de froid. Parce que l'air de rien, il commence à être un peu loin du chauffage. 22 degrés à l'intérieur, moins 2 à l'extérieur. Mais c'est pas grave, puisque le printemps est arrivé. Hop. Tac. Et tac. Ok. Alors, la nourriture, ça va, ça avance. Il y a toujours des cadavres à l'extérieur qui peuvent être découpés. Ça serait d'ailleurs bien de le faire au plus vite. La nourriture se fait rare, on sait. Les baies, vous les sortez d'où ces baies? Ah c'est les buissons, il y a des baies qui commencent à pousser dessus, nice. Parfait. Parfait, parfait, j'ai pas l'impression que les animaux soient affamés, ils ont dû aller les nourrir, du coup c'est cool. Hop, on va chasser ça. Et ça, toujours de la petite viande de récupérer. Attends, on va tenter de t'apprivoiser. On verra bien. Je sais pas où il en est avec l'ours. Je sais même pas où il est l'ours.
Ok. Ça se passe les amis, ça se passe. Par contre, en termes d'énergie... Non, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'éolienne est bien placée ici, elle nous aura produit vraiment beaucoup d'électricité, ça permettrait, ça a permis de... Du coup, pendant la nuit, de continuellement avoir une, de l'énergie en fait en production, ce qui est bien. Très pratique pour nous. Oh, les cochons ont bien grossi là, hein. Je pense qu'il serait peut-être temps de... Femelle, femelle, mâle, mâle, femelle, femelle, mâle, et mâle. Est-ce qu'il serait pas temps d'en abattre quelques-uns? Tous ceux qui n'ont pas été... Suivre le maître quand celui-ci est enrôlé, suivre le maître quand celui-ci travaille. Ok. On l'aura pas appris la libération, donc du coup, je pense pas qu'il puisse faire ces tâches-là en fait. Parce qu'après, ces cochons-là, je les aurais bien abattus. Mais je pense que le maître va être triste si je fais ça. Donc on va les garder, parce qu'ils vont finir par mourir et bon... On verra plus tard, de toute façon pour le moment ils sont encore jeunes. Donc on va continuer à les entraîner. Animaux affamés, ouais. De toute façon ils sont en train de crever de faim. Donc l'un dans l'autre... Ça change pas grand chose, ah, l'ours est là. Ils ont plein de viande à découper, mais ils le font pas. Faudrait quand même un petit peu s'atteler à ça, quoi. À te voir. Hop, on a récupéré un bon dresseur, là. On va enlever ceux dont ce n'est pas la passion ou le... On va commencer à leur répartir les rôles un peu mieux aussi. Histoire de... Bon, même s'il avait 6, 5 en dressage, ouais, c'était pas forcément des mauvais dresseurs, mais bon... Pff, on perd du temps à leur faire faire des choses qui sont pas forcément leur... On va essayer un petit peu de les... Contrôle, gérer les interrupteurs, ça on va le faire faire par tout le monde. Le dressage c'est bon, la cuisine. Ok, la chasse. Ok. La construction, ok. Faites voir, attendez, combien il avait lui? 5, on va te garder toi. Toi tu as 4, toi tu as 3, on va vous enlever. Voilà, comme ça au moins c'est plus... Centrés, ils gagneront peut-être un peu plus d'expérience. La recherche, on laisse comme ça. Non, je vais même limite enlever toi. Voilà, parfait. Et moi, c'est quoi que je cherchais? C'était la cuisine. Non, mais c'est ça, hein, de toute façon. On va en rajouter peut-être un à la cuisine quand même. Du coup. Toi. Allez. On a besoin de gens qui s'occupent de... Voilà. De dépecer la viande. Combien ils ont de plats préparés? 5. Ici, tâche. Hop. Voilà. Ok. Est-ce qu'on le chasserait pas, ça, tiens? Cochon 3 n'est plus incapable de marcher. Qu'est-ce qu'il a eu? Ils étaient en train de crever de faim. Ils les nourrissent au plat cuisiné quand même. C'est des cochons bien nourris quoi. C'est de la bonne bestiole. Ça on va leur, leur interdire d'y toucher. De toute façon a priori techniquement... Ah non mais attendez, les cochons ils étaient vraiment pas bien en fait. Et voilà, animaux affamés. Les pauvres. Ça va bientôt se passer, les amis, ça va bientôt se passer. C'est bientôt fini, tout ça. Ce sera qu'un mauvais souvenir, il va falloir agrandir le frigo.
pour pouvoir stocker toute la nourriture qu'on va récupérer. Ça, il va falloir que j'y pense assez rapidement. J'aurais même limite, hein, les gens, on va faire ça même pendant que l'hiver est encore présent. Enfin, même si on est au printemps, je suis au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au moins dehors, il fait encore très froid. Petit Papa Noël. Donc de ce fait, on bénéficie toujours de la fraîcheur de l'extérieur pour pouvoir garder notre nourriture congelée le plus longtemps possible. Ça, on va devoir le démolir. Et je vais agrandir. Enfin, je vais même bien agrandir le frigo. Dehors, il fait moins 2. Ok. Médecin, mineur. Mine. Ok, on en a 4, c'est déjà pas mal quand même. Allez, il faut creuser là. Il faut creuser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 99 en granit. Du coup, on va se le faire en granit, je pense. On va pas essayer de manger trop sur le panneau solaire non plus. Histoire de pas lui gâcher trop la vue. Par contre, attendez, je suis en train de réfléchir, mais à mon avis, on n'aura pas assez de granit pour tout faire. Donc on va le finir en bois. Et je pense que voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Ouais, on est bien. On va quand même gagner pas mal d'espace dans le frigo. Vague de froid, parfait. Enfin, parfait. Vous avez compris quoi. On va mettre un refroidisseur ici et un autre ici. Ok, zone. Voilà. Ouais. Alors attendez parce que du coup là, structure, mur en bois. Tac. Ok. Re died because of cold. Eh oui, vague de froid, fléau, mystérieux fléau, détruit vos cultures. Bah tant mieux, vaut mieux que ça apparaisse maintenant ça. Il fait combien? Ah oui, il fait moins 16 quand même, hein. Il fait moins 16. Hop, architecte, sol, plancher en bois. Et voilà. Est-ce qu'on a du bois en stock encore? Un petit peu. Bon, on en a encore quand même pas mal. Éruption solaire. Allez, c'est pas très grave. Ordre, couper des plantes, couper du bois. Hop là. Allez, c'est parti au travail. Au travail, au travail. Alors, hop, excusez-moi, je reviens. Ok. Donc, ils ont du boulot qui les attend. Ouais, y a plus rien à bouffer encore. Y a plus rien à manger. Moi, ça craint là. Là, ça craint du boudin. Va falloir flinguer de la biche, hein. On n'a pas le choix. On flingue de la biche. Et j'ai presque envie d'abattre du cochon, mais non, on va les garder. Faudrait flinguer ces trucs là, mais bon, ça explose, c'est dangereux. En plus, je suis pas sûr que ce soit très bon à manger. C'est combien dehors? Moins 16. Lol. Moins 16 quoi. On pensait que l'hiver était fini. Eh ben non. On se tape une petite vague de froid.
des familles, histoire de... Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait raid aussi, tiens. Tu vois, vous allez voir, je dis ça, on va s'en prendre un bon gros dans la tête. Mais... C'est moi où il bouffe la carcasse? Oh là là, il bouffe la carcasse, le cochon, quoi. N'importe quoi. C'est la galère pour tout le monde, j'ai l'impression, hein. Oh. On entend le vent et tout, putain, c'est chaud. Au moins, ça fait tourner l'éolienne à fond de cale, quoi. Alors, on en est où, le frigo, là? Moins de 10, parfait. Énergie. Et non, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ah oui, non, mais là c'est la grosse froideur, là. Oh. Ok. Bon, ça va qu'à l'intérieur il fait 17 degrés. Oh putain, d'accord, tu as compris. Défoncez l'ours! Non, 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 pas encore, encore, espèce de fou. Oh là là, il arrive pour se venger. Ça pue de là, ça pue là, ça pue, ça pue, ça pue. Oh, bien joué. Bien joué. Bon bah, il nous aura flingué un cochon. Il aura même eu le temps de le manger. Mais on aura flingué l'ours. Voilà. Fin mot de l'histoire. C'est celui-là. Ah. Lièvre s'est laissé apprivoiser. T'es sérieux? Mais il... Non. Non, non, non. Oh, désolé, le lièvre, hein, mais... niveau 9. Ouais, annule, annule, annule. Laisse tomber. Ça sert à rien de tenter ça. Les animaux sont affamés. Oui, bon, bah, écoute, hein. Ah oui, mais attends, si tu utilises nos seules herbes médicinales... Putain. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais, par contre, l'ours, tu aurais pu aller le... Non? Les médicaments se font rares. Ouais, je sais, c'est normal, ils en donnent aux cochons, putain. Je pourrais les interdire de faire ça, mais bon. Faut soigner ces pauvres bateaux, il va aller. Faut soigner ces pauvres bêtes, sauf que bon, on a plus de médicaments maintenant, putain. Quel bordel. Ouais, ça, c'était peut-être le move de trop, ça. Mais please! La neige de partout, quoi. Même pendant l'hiver, il a pas fait aussi neige. Sans déconner. C'est fou, quoi. Neige épaisse, en plus, hein. C'est de la bonne neige qui tient bien, tu vois. C'est de la bonne neige, quoi. Vague de froid. Bon, ça fait 15 jours pour le moment. On va prendre... On va dire que ça va bientôt passer. Il n'y a plus de viande encore. Possible, quoi. Moins d'un jour. Allez. On est obligé, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense que tous les animaux, là, ont un peu du... c'est dur pour tout le monde, quoi. Lui, c'est celui qu'on apprivoise. Ouais, c'est celui qu'on essaye d'apprivoiser. Il n'y a plus une seule bestiole sur la map. On a tout bouffé. On a tout bouffé. Ah, il y a un petit groupe qui s'est reformé ici. C'est bien, celui-là, il faut pas le toucher. Il faut le laisser grossir. Je
parce que là sinon on a vraiment tout mangé. Hein. Bientôt ils vont commencer à déterrer les cadavres pour bouffer ce qui reste quoi, c'est dégueulasse. What? Meute de chasseurs d'hommes. What the fuck? Oh, ça pue ça. Oh là là. Je veux personne en dehors des murailles. On a un problème. Cooper, t'as un fusil à pompe. C'est pas bon parce que c'est vraiment close combat, quoi. Ah mais d'accord, je comprends ce qui leur arrive aux cochons en fait. Ils sont en train de crever de froid petit à petit, eh oui. Perdu à cause des gelures, eh oui. Ah non mais laisse tomber, il faut l'abattre. Je crois qu'il faut tous les abattre. Merde, et là il y a les autres qui arrivent. Non, il faut abattre tous les cochons. Ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Là, vous vous faites rush, mais de ouf, là. Oh, putain, parce que les wargs, c'est dangereux, les gens. Il en a deux sur lui, please. Viens par là, Cooper. 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 Bordel, il faut l'aider. Putain. Décale toi, décale, décale, décale. Vous allez vous tirer dessus, faites gaffe. Faut voir Cooper, tu es comment? Ok, Cooper, tu peux vivre. Lui s'est pris une balle, lui non? C'est une morsure. Allez, bien joué les gars. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Définir comme lit médical. Tac. Ok. Tac. Secourir Cooper. Allez, vite. Santé, tu es comment toi? Tu as petite hémorragie, pas de danger immédiat. Ok. Ils sont tous morts là? Non. Bute-le. Arrête, 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 c'est dangereux. Oh là là, le pauvre. Ok. Lui aussi, finis-le. Attends, 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 approche-toi, approche-toi. Finis-le. Allez, pas trop posé. Il lui faut un lit, c'est Tali. Flux, Cooper, Tali. Et ouais, ce qui est con, c'est qu'on a plus de médicaments maintenant. Ah putain. On a plus de médicaments pour des cochons qu'on va abattre parce qu'ils ont des engelures à cause du froid, quoi. Putain. Ça, j'ai pas bien géré cette histoire. Mais bon, on va partir du principe que ça va le faire. Ils sont en train de pisser le sang, il faut s'en occuper, là. Allez là, il faut s'occuper de vos friends. Il va mourir dans 7h06. Dans 7h30, pardon, si personne ne fait rien. Où est-ce que... Ben Nico, qu'est-ce que tu fais? Viens... Oh, putain, soigne-le.
J'espère qu'il va pas y avoir d'infection ou quoi que ce soit, je vous le dis. Parce que là, on n'a absolument rien pour les soigner, du coup. Faut vraiment aussi qu'ils aillent récupérer ces cadavres de warg, parce que ça va nous faire de la bonne nourriture. Une chasseur. Nanana. Cooper, Cooper. Ton fusil est là-bas, tu iras le chercher plus tard. Pour le moment, tu te reposes, Cooper. Quoi? What the fuck? Faites voir, qu'est-ce que c'est ses aptitudes à lui? Ouais, lui, il peut pas tirer, ok. Flou. Viens, Flou. On a un problème dehors, là. Le dernier cochon qui pouvait se déplacer, il est en train de se faire bouffer par le... C'est bon. C'était un colon qui se faisait attaquer, il y avait marqué, mais... Ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Ok, ils ont rentré les wargs. Parfait. Au moins, on aura de la viande, hein, de toute façon. J'espère vraiment que ça va pas s'infecter. Hein. Douleur sévère. Tail, ça va, il s'en sort plutôt bien. Mais les deux autres, putain. Petit risque de démence. Bon, ça devrait le faire, je pense. Ouais, c'est bon, ils sont en train de se soigner petit à petit. Tali, ok, c'est parfait. La vague de froid est terminée, génial. Il était temps, honnêtement, il était temps, je vous le dis. Par contre, il va falloir que vous vous dépêchiez, du coup, de dépecer toutes ces carcasses là, parce que sinon ça va pourrir. Des commerçants qui arrivent, ça c'est parfait ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Quoi, t'as pas de chambre? Merde, je suis con. Alors, c'était lui, je crois, qui était très bon en social. Hein. Ouais, il est en train de dormir, mais on s'en fout. Viens ici. Voyons voir. Oh, oh, oh. Ok, alors, juste 2 secondes, les amis, je reviens. Ok, donc, je pense que je vais tout leur vendre. Toutes les fringues qu'on a, je vais leur vendre. Parce que ça va nous délester. Quelque chose de bien. Donc on vend tout. Même s'il y a des choses qu'on aurait pu utiliser, honnêtement, c'est pas grave. On vend tout. L'or, on va le garder. Ok. Déjà, ils ont pas assez d'argent à nous filer pour tout ce que je leur prends. Ça, c'est cool. Parce que... hop, les médicaments. Même s'ils les vendent un peu cher. Bon, il y en a que 3. Ouais, c'est un peu con. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, tout ça c'est... Ok. Des plats, machin truc. Ouais, mais en fait, ils ont rien d'intéressant, eux. Ils ont pas grand-chose, en fait. Je pourrais leur prendre un peu des composants. Ça peut toujours servir. Parce que là, concrètement, ils ont pas assez d'argent pour me payer. Là, oui, par contre. Ok. Dommage qu'ils aient pas plus de... C'est quoi ça? Ouais d'accord, c'est de la drogue.
Dommage qu'ils aient pas plus de médoc quand même. Mais bon, c'est pas grave. On fait un peu de sous-sous comme ça. Ok. Ok. Qu'est-ce que je pourrais virer ici? Parce que l'air de rien. C'est moi où il pleut? Il pleut. D'accord. Ouais, c'est pas bon, il doit faire tout le tour pour aller ici. En même temps, je peux pas forcément mettre une porte. Pas une très bonne idée, je pense. La batterie s'est complètement déchargée. Ah, attendez, c'est pas bon, il y a un truc qui va pas là. Hop. Et hop. Ok. Il faudrait vraiment que vous vous occupiez de ces carcasses, les amis. Il faut vraiment que vous vous occupiez de ces carcasses. Un guerrier de bric-à-marre de crâne pendant l'environnement, son nom est Stephenson. D'accord. Bah écoute. Passe dans les environs. Hein. Et là, on n'a plus de batterie. On n'a plus de batterie. Et du coup. Ah oui, et là, il peut pas faire passer le câble électrique. Ok, alors attendez. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, un chasseur n'a pas d'arme à distance. C'est bon, c'est Cooper. Les médicaments se font rares. Non, puisqu'ils sont ici. Ils devraient venir les chercher d'ici peu, je pense. Bon, on a des petites coupures électriques. C'est assez immersif. Mais c'est pas très grave. Du coup, hop, hop. Mort depuis 2 jours, réfrigéré, pourrira dans 1 jour. Pourrira dans 2 jours, pardon. Partie du corps manquante, frais. Pourrira dans 1 jour. J'ai peur qu'il s'intoxique avec ça. J'ai peur qu'il s'intoxique. Pourquoi ils arrivent pas à poser? On n'a plus de fer? Si, on a du fer. Oh putain, ils ont chopé la grippe, quoi. Ok. Alors. Voyons voir. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? T'as chopé la grippe. Hop, tu reviens. Ok, et le dernier c'est qui? C'est flou. Ok, en plus flou en anglais ça veut dire grippe je crois. Donc voilà. Tac. Se reposer. Donc, on a des médicaments, ils sont là, ça serait vraiment génial que vous veniez les chercher. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. Ah là 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 là. C'est qui? C'est lui aussi qui avait la grippe, je crois. Ouais. Donc, toi, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de lit à disposition. Cooper est toujours malade. On pourrait faire dormir Danny dehors, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Écoute, on va faire ça, tac et tac.
Avec la vague de froid, ils ont chopé la grippe, c'est con. Et le dernier médicament, donc normalement pour Mazalou. Ok. Ok, bon bah les amis, du coup c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu compliqué là en ce moment, mais ça y est, ça va revenir, je pense, avec le printemps qui arrive. On va se faire printemps, été et l'automne. Donc on va avoir trois saisons devant nous, vraiment bien, plutôt tranquille. En tout cas en termes de température et ce genre de choses. Donc on va pouvoir à nouveau faire pousser un certain nombre de choses, etc., etc. Donc ça c'est très très bien. Et puis on verra ensuite par la suite comment ça va se passer, hein. De toute façon, on a survécu à bien pire jusqu'à présent. J'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu si vous voulez soutenir le let's play. Moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Ciao ciao.